Réveillé ou pas? Réveillé ou pas? Alors, par contre, je vais baisser le son parce que bon, c'est bien sympathique, 5 minutes. Scène 3. Sauvegarde 3, évidemment. Scène 3, n'importe quoi. Alors, souvenez-vous, c'était mercredi. On avait un score de prospérité de 63 sur les 70 requis. La prospérité est en hausse, c'est formidable. La culture est à 78, c'est super. La paix, magnifique. Et la faveur, ça va. De toute façon, on va peut-être aller, on va peut-être commencer. J'ai 13 000 balles. Vas-y, César, prends une troupe d'acteurs esclaves. Voilà, 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 voilà. À 3000 boulas. Voilà, formidable. Pendant ce temps, on va attendre que la prospérité augmente. Vous allez voir que là, en 2-2, ça va augmenter. Bam! Et hop, terminé. Si ça se passe comme ça, ça serait quand même très rigolo. Hein. Ça serait quand même très rigolo si ça se passe comme ça. Je vais monter un petit peu et baisser un petit peu de mon côté. Peut-être baisser une fois. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on avait à modifier? Je vois rien à cause de... Alors, merci. Vous voyez, mais moi je voyais pas. Elle peut pas se divertir suffisamment. D'accord. Là, c'était quoi le problème? Se divertir, mais pas suffisamment. Ah oui, il y a peut-être pas d'amphithéâtre à porter. Ouais. Là, c'est quoi le problème? Pas accès des termes. On a de la place là, non? Ah non. Est-ce qu'on peut avoir de la place ici? Oui, totalement. Avec un peu de chance, elle fera ça. Avec un peu de chance. Oui, on a toujours des problèmes de main-d'œuvre, évidemment. Ah oui, j'avais laissé le militaire. Oui, bah, du coup. C'est vrai que pour l'instant, c'est pas. C'est. Ce n'est pas important le militaire pour l'instant, tant qu'on n'a pas d'écho de bataille disant attention, on va se faire attaquer. Après, niveau. Voilà, niveau dieu, tout le monde est indifférent, c'est génial. Qui accepterait de se laver tant qu'il n'y a pas d'employé? Moi. Tant qu'il y a de l'eau. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Pas que ça des termes. Si, mais les termes, ils sont là. Alors, est-ce que la fille des termes fait trois fois le tour? Puis on va enlever ce chemin-là. Des jardins à la place. Voilà. Comme ça va l'obliger de passer par là et pas de faire le tour. Peut-être que eux n'auront plus accès des termes, quoique, non, c'est pas sûr, ça devrait aller. Alors, du coup, je vais peut-être reculer un peu la tablette pour voir mieux. Voilà, voilà, c'est bien là. Parce que sinon, trop près, en fait, je vois pas s'il y a des messages qui apparaissent. Faible champ de vision. Ici, pas d'accès à une bibliothèque. Ah, c'est vrai. J'avoue. C'est rien, c'est la montre qui a détecté que j'ai dit le mot bibliothèque, elle s'est réveillée. J'ai une idée de pourquoi, mais elle s'est réveillée. On en est où en termes de 519? Ouais. Pour ceux qui étaient en hausse. Allez, dépêchez-vous. Pouette, pouette. Pouette, pouette, pouette. Ah, ça y est, il y a des gens. Est-ce qu'elle va faire ça ou est-ce qu'elle va partir par là?
Table, elle part par ici. Ça nous fait des plus belles maisons. Et donc, hypothétiquement, des gens qui viennent habiter dans ces maisons. Pas d'accès à un barbier. Je vais le mettre là plutôt. Au pire, on va mettre un dispensaire ici. Est-ce qu'on manque beaucoup de main-d'œuvre? Ouais, ça va. Ça va. Ici, c'est quoi? C'est barbier ici. Bah, go en fait. Hop. Ça, il va passer comme ça. Je voulais voir niveau démographie. Ouais, on en monte un petit peu. Touk, 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 touk. Ah oui, du coup, on voit la répartition par revenu. Oui, d'accord. Ok. On est où? On a 63, ok. On a encore assez de 20, on a encore assez de 20. Ok. On en achète toujours du vin, on est bien d'accord. Ah non, on en achète plus. Bah go, en fait. On va en racheter un petit peu. Même si on en a encore pas mal. Ok, ils vont évoluer. C'est plein ça? Non, c'est pas encore plein. On va attendre que ça se remplisse. Ah, il y a des villas, donc forcément. Ouais. Bon, c'est très bien qu'il y ait des villas, mais. J'ai l'impression que le score de prospérité augmente pas direct, quoi. On a encore des gros soucis. Ouais. Un peu. Ça, ça va. Là, on a des belles villas. En fait, je suis en train de regarder où est-ce que je pourrais mettre plus de personnes, mais bon. Là, c'est quoi le problème? Ah oui, c'est les meubles. Alors que on a des fabriques de meubles ici. Hein. Ils acceptent ici les meubles, on est d'accord, oui. Juste que ça met du temps à arriver, quoi. Ici, il va arriver, là, c'est les meubles aussi. 63, hein. Ça ne bouge pas. Oh, ça a des termes. École de gladiateurs a un effet négatif. Ah. Chantier de bois a un effet négatif. Ah, le 69 est atteint. Oh, il reste un point. Un point. Mais un point, mais en fait, du coup, il suffit... Oh, attendez. Je cherche après des pauvres. Mais des pauvres pauvres, hein. Des pauvres... des pauvres ententes, quoi. J'ai pas des pauvres ententes qui traînent.
ça n'a pas servi. Eux, c'est quoi le problème en fait? Ah, ils ont pas accès à des termes. Bah si, les termes ils sont là. On a de l'argent, hein, vous inquiétez pas. Non, je trouve ça pourrait pas passer là en fait. C'est bien ce que je pensais, oui. La prospérité, c'est vérifié une fois par an. C'est ce que je pensais au début, mais j'avais pas. Parfois, ça augmentait comme ça, en fait. Donc, je me dis, bon, bah, j'ai peut-être eu faux. Mais non, c'est bien ce que je me disais. C'est bien vérifié par année. Une fois, je me suis dit, bah, ça augmente une fois par an. Donc, je me dis, bon, bah, on attendra que ça. Quand c'est marqué prospérité en hausse, c'est que faudra attendre l'année d'après pour avoir le score. Mais en fait, parfois ça avait augmenté comme ça en milieu d'année. Donc, après, ça le fait peut-être comme ça au début. Mais je me suis dit, bah, en fait, du coup, ça faisait pas ça. En fait, si, c'est bien ça. Une mine. Mine. Alors, comment je peux leur amener de l'eau? Est-ce que je peux faire une ferme ici? Non. Ah, mais il y a des tentes ici. Ah bah, on va faire un truc. Attendez. On va faire un truc. On va faire ça là. On va faire un chemin comme ça. N'inquiétez pas, tout est prévu. Ou presque. Non mais casse-toi. Merci. Comme ça. Tout est alimenté. Ok. Donc comme ça, ici, on met un terme. Hop. Voilà. Même au pire, on pourrait, je pense, mettre quand même des gens ici. On va remettre une tour là quand même. Du coup, je vais remettre un marché là. Allez, il me faut des employés. Ah, boum. Bon, il n'y a que 8 places de plus. Hein. C'est pas énorme, mais bon. J'ai bien enlevé, ouais. 31. Bon, on a acheté un petit peu. L'huile. Ah ouais, mais le problème, c'est que l'huile, c'est loin. L'huile, c'est loin.
Ça fait beaucoup de main d'œuvre. Bon, ça va. Hop là, voilà. Tac. Du coup, septembre, donc on va voir. Est-ce qu'on va passer à 70? 78, 97. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié ce détail. Voilà. Donc là, oui, il faudrait que la personne des termes fasse tout le tour. Là, c'était quoi le problème? Ah, un problème d'amphithéâtre, ouais. Du coup. Là, c'est quoi de nouveau le problème? Pas accès à des termes. C'est juste qu'elle passe, quoi. Il y a eu qu'il n'y a pas assez d'employés. Qu'est-ce qu'on pourrait enlever? Je fais ça. Ça va. Ça va. J'en suis à combien? 35. On va être importé. Bah typiquement oui, typiquement les armes, oui, les armes je pourrais arrêter. Les armes je pourrais arrêter, le fer au pire. Ah oui, le fer putain ça en peut du monde. Lui, on va en garder un petit peu. Meubles, ça va. Ça, c'est importé, donc on s'en fout. Bon. Le fer, je le vends et je l'utilise, mais j'ai trop d'armes, donc... Je pense que ça sera assez. Bon, 200 employés en moins, ça devrait aller. Prospérité en hausse. Ah. Est-ce que j'ai tout? J'ai tout. On était à 69, donc si c'est en hausse. Il est long le mois de décembre. Et ben voilà. En 20 minutes, quoi.
Allons-y, let's go. C'est parti, je suis maintenant consul. Finalement, le gouverneur de Césaréa restera quand même en vie. Votre sauvetage de cette ville en crise est une grande réussite. Je vous laisserai peut-être choisir un lieu d'exil pour votre prédécesseur. Lutèce. 10e mission. Eh ben, on va se mettre à Londres. Vous allez adorer cette mission. C'est l'une des plus constructives que j'ai attribuées depuis bien longtemps. La Gaule étant finalement intégrée à l'Empire, nous pouvons à présent étendre notre frontière nord jusqu'à son extrême limite, Britannia. Oui, les Romains se sont déjà rendus là-bas dans le passé, mais jamais avec l'intention d'y établir une présence permanente. Je vous ai accordé une grande province fertile afin que vous y bâtissiez une cité portuaire majeure qui s'appellera Londinium. En accord avec la richesse de cette province, je vous ai fixé des objectifs très élevés. Les barbares qui vivent sur Britannia ont toujours pensé que leur île les protégerait de l'Empire romain. Ils risquent d'être assez mécontents en constatant la magnificence de Londinium. Préparez-vous à rencontrer une résistance armée. Certaines des tribus qui vivent là-bas sont risiblement faibles, mais les Celtes pourraient poser des problèmes. Donc, 10 000 de population, prospérité 75. Bon, ça va. Ça va, en fait. On avait 70 avant en objectif, là, 75. Bon. Estime, 75. Bon, ça va. Culture, 75. Comme la dernière fois. Épée, 60. Wow. Admettons, allez. Alors, par contre, comme à chaque fois, on va faire... Voilà. Donc... On commence avec 7500 balles. Ici, on a une superbe zone à bouffe. Ici, on a une très belle zone à bouffe aussi. Oh là là, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, d'accord. Oh oui, 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 oui. Bon, le jeu est très gentil, hein, n'oubliez pas hein, cette maxime. Quand le jeu est très gentil, c'est que souvent, ça pue un peu, quoi. Bon. Donc... L'idée, numéro 41. Bah sinon au pire on va se mettre là. Hein. On prolonge la route. Hop, hop. Ici on a bouffe et de l'eau. On est protégé par les arbres. En cas d'attaque, on a juste à protéger une petite parcelle qu'on coupera. Et après on s'installe là, tranquillement. Et après, au fur et à mesure du temps, on déménagera. C'est-à-dire que tout ce qui est maison, etc., qu'on va mettre sur les terres fertiles, on les bougera. On va faire ça. On va faire ça. Il y a un truc que j'ai pas regardé. Alors... Ici, eux, ils achètent du bois et de la poterie. Ici, ils achètent des armes. Ok. Ici, ils achètent du blé. Petite quantité. Et ici, des légumes. Mais bon. Du bois. On a 3 tonnes de forêt. Je pense que ça sera notre truc à vendre au début. Hein. Je pense que... On va se faire un petit truc de forêt, là. Ça va être notre manne financière du début, ça. Ah non, mais dans l'autre sens, merci. Dans l'autre sens. Ça va être notre manne financière du début, ça. Ça va être formidable. Alors.
Ok, donc on va commencer par faire nos trucs de bouffe. 1, 2, 3. Il n'y a pas 3, mais c'est pas grave. Ben si, c'est chiant. Et je suis en vitesse fois en 10%, donc forcément. Attendez, je vais découvrir un truc. Ok, c'est bon. Alors, on va me dire, ouais, mais il y a des loups. Alors, certes. Certes, il y a des loups. Mais bon, les loups, c'est pas méchant, les loups. Les loups, c'est pas méchant. Non, c'est pas le bon. C'est pas le bon bouton. Je sais pas pourquoi j'ai fait le mur aussi long, mais bon. Parce que du coup, ils pourront pas passer là, ça c'est sûr. Ils pourront pas passer là, c'est sûr. Ils viennent d'où nos potes? Ok, ils viennent de là. Ah, c'est vrai, j'aurais pu me mettre là au début. On va voir ce que ça donne. Parce que oui, sinon j'aurais pu me mettre là, en fait. Ça aurait été beaucoup plus vite. C'est vrai. Mais non, c'est gentil les loups. C'est très très gentil les loups. Déjà ? Où ça ? Alors j'entends, hein, mais je vois rien. Ah d'accord, il y en a là. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Ils vont bientôt découvrir la liberté et la démocratie. Allez. Thank you.
Oui, ici, ils ont été domestiqués. Ici, ce sont des loups domestiques. Ce sont des chiens. Regardez. Lui, il est avec son chien. Regarde. Ah oui, ah bah là ça pose. Ça peut poser quelques menus problèmes en effet, oui. Pas alors qu'il allait s'installer chez lui quoi. On va faire un truc. On va mettre le militaire en priorité une. Non, c'est ce que je voulais faire. Bah si, il y a lui à proximité. Paf! Paf le loup! Oups. Est-ce que là-haut il est... Ouais. Oups. Ça, on va éviter les loups. Hein. Bon, après, c'est pas grave si on arrive en dessous. Oh, mais de toute façon, on peut pas arriver en dessous. Surtout que maintenant j'ai mon salaire de consul. Qu'on peut pas arriver en dessous. Ok.
Bah, ça a l'air d'être bon, ça. Du coup, lui, je le mets en pas de priorité. Ouais, production, industrie, service des eaux, je crois, c'est ça. Je sais plus ce que j'avais mis les autres. Mettre au moins ça déjà. Ah, j'avais pas vu qu'il y en avait encore un. Du coup, on va remettre l'unité en dernier. Enfin, en dernier, en cas de priorité, quoi. Mais il se reproduit, c'est con. J'ai réussi à retrouver la nature trouve toujours un chemin, comme dirait l'autre. Non, c'est la vie. La vie trouve toujours un chemin. Non, j'ai pas le temps. C'est bon. On va pouvoir démarrer tranquillement. Non, non, tout le monde n'est pas content, c'est logique. Ah oui, c'est parce que là, vraiment, il n'y a plus de... Voilà. Et du coup, je voulais mettre une école là. Mais... on va la mettre là, du coup. Bon, on va laisser tout ça évoluer parce que pour l'instant, le marché fait pas son office. Ah
pas de manœuvre à louer à ce secteur, merci. La technologie est en 1. Ça. Voilà, je prévois déjà pour plus tard. Allez. Je pense que bon, assez de place là, de toute façon. Ce que je disais, on délocalisera peut-être plus tard, mais en fait, on a assez de place. Les maisons vont évoluer. On aura plus de pop. Comme ça, dès qu'on aura assez de pop, on remettra, on réactivera. Le poète poète, ah oui, manque de main d'œuvre. Ok, on va relancer. Comme ça, au moins on est tranquille. Je me demande en fait d'où les ennemis peuvent attaquer. Oui, ils peuvent attaquer de là. De là. Oh, ça serait bien Q qui arrive à attaquer de là, quoi. Là, non. Là non plus. Là, sans doute. Là, c'est possible. Là, l'IA serait très conne. Quoique, non, ils peuvent pas attaquer de là. Parce que ici, c'était bloqué avant. Donc, l'IA ne peut pas attaquer d'ici. Ce serait sans doute soit de là, soit de là, à la rigueur.
colère des dieux. Ah, qui ça? Ah bah oui. Alors, Neptune, inutile, pour l'instant. Mercure, par contre, bon, Mercure, oui, il pourrait... Ouais. Oui. Mercure, oui. Quoi le problème hein? Pas assez de distraction. Ouais, lui c'est vrai que du coup les loisirs. Hein. Ah. Super. Quoi, je voulais déjà. J'ai déjà plus. Oui, ils veulent des termes. Bon, y a un truc que je voulais faire, mais je sais plus. Je sais plus ce que je voulais faire. Ah oui, un autre marché, ouais. Qu'on a. J'ai peut-être inversé les deux. Par contre, fontaine. Il me faut de l'argent. Hop là. Voilà. On va peut-être sauvegarder un petit peu. C'est pas grave. Allez, il faut des gens, venez. Père de Mercure. Ah, ça c'est con. J'arrive.
Après, c'est vrai que pour l'instant, je suis pas très... Je suis peut-être pas obligé de les faire bosser, eux, parce que pour l'instant, de toute façon... C'est bon. Normalement l'hygiène ça va aller mieux maintenant qu'on va avoir assez de personnes. Ah. Là, alerte rouge. Hop. Ils sont où ? Ah, il est là. Alors, je sais pas si ça va suffire, mais bon. Ah d'accord, il tire pas. D'accord. Ah ok. Je pensais qu'ils allaient tirer en fait par-dessus, mais non. Troupe ennemie, ok. Alors... Reconstruisons tout ça. Mon entrepôt qui à l'heure actuelle ne sert pas à grand chose.
Donc en fait... Non. Super, à 2 minutes, j'ai pas le temps. Voilà. Hop. Ensuite. Ça, on peut le remettre à 9. Je crois qu'il y avait une, il y avait un temple de quelqu'un qui manque. Okay, c'est un temple de Cérès qui manque. Qui était là. Ah oui, oula. Argent, tout ça. Let's go. Donc on va... ceci. Et on va faire exporter à partir de 0. Et on va se mettre à vendre le bois. Déjà. Parce qu'en fait, on n'a pas de montagne. Et oui, c'est la plaine. Donc impossible de faire des armes. On peut en acheter, évidemment. On peut pas en faire. Donc en fait, il y en a qui achètent des armes, mais en fait, c'est juste de l'achat-revente, quoi. Alors, qu'est-ce qui manque ici? Ah oui, école. Ah oui, du coup j'ai mis ça devant, on va mettre là du coup. Déjà ? Ah. Vous avez été rapide pour épuiser vos fonds. Essayez de les faire durer un peu plus longtemps cette fois. L'empereur est vexé. Évidemment, oui, on a pas son militaire, mais bon, c'est pas grave. En fait, du coup, on va essayer de mettre un réservoir ici. Hop. Ici, ils aient accès
Allô. Perfecto. Manque de main d'œuvre. Les poteries. Ah, évidemment, voilà, on va pouvoir faire nos propres poteries, ça c'est cool. Alors, par contre. Ok. Bah non. Problème de pop, problème de pop. Pas de main d'œuvre. Problème de population. Qu'est-ce qui va manquer à part des poteries ici? Pas grand chose en fait. Mille citoyens, formidable. Ah mais elle a été détruite. On n'avait point vu. Ah, il n'y a pas assez de production de bouffe. D'accord. Pouet pouet, la colère des dieux. Ah oh oui, c'est Neptune, bon, c'est pas grave. Pas bien important. D'ailleurs, je suis en train de me dire, est-ce qu'on fera du commerce un de ces quatre? Ils vendent du vin ici, ils vendent du vin ici. Alors oui, sans doute pour le vin, parce que je suppose qu'on peut pas faire... Ouais, donc, on peut pas faire du vin en Grande-Bretagne, quoi. On va laisser évoluer tout ça. Ouais, bah, je pense que de toute façon on peut pas faire plus. Pas faire plus, ça tourne. On commence à avoir des poteries.
je pense qu'on est bien. Un petit peu de jardin là. Augmenter un petit peu l'attrait. Ça tourne. On a pas assez de distraction, je pense. On va mettre un théâtre ici. Voilà. Ouais, pour l'instant, la nourriture, c'est léger. Ouais. Manque de main-d'œuvre. Ah oui, en militaire, bon, ça, c'est pas grave. Il est tout seul dans sa tente, on va le laisser tranquille. Hein. Après, c'est vrai que là, du coup, on est un petit peu lent en termes de production de bouffe. Oui. Y'a qui est pas content, mais oui, c'est Neptune, mais Neptune, c'est pas grave. Ça me dire, est-ce qu'on... Ouais, non. Peut-être pas tout de suite. Parce que c'est vrai qu'un petit village là, avec un pont... Il n'y a pas de poisson en plus, ici. Non. Un peu plus d'ateliers de poterie, c'est possible. Merde. C'est pas ça. Ah, on n'a pas de problème de main d'œuvre. Ah, c'est parfait ça. Ah oui, au fait, Rome paye à 32. Donc j'augmente les salaires. Ils sont où? Ils sont là. Grégoire Deux Orteils. Omar le Mystérieux. Édouard Grande Bouche. Dimitri Leville. Warlock le Maléfique. Hong Fu le Mystérieux, tellement mystérieux qu'il est invisible. Et Biscotus. Les guerriers celtes. Attendre qu'ils viennent. Oh, c'est lui Hong Fu le Mystérieux. Allez, venez, je vous attends.
Quoi ça? Une touffe d'herbe, super. Ah, mais en fait, pourquoi il y a ça qui est... J'avais mis accepter que du bois à la base. Et d'ailleurs, ça, c'est censé être mon centre de commerce. Ah. Les voilà. Ils sont pas pressés, hein. Faudra faire un amphithéâtre en fait. Ok, bon, ça se fait. Ça, c'est en cours. Il n'y a pas accès à une fontaine ici ? Ah, ouais, si. Ah, il n'y a plus de, il n'y a plus assez de militaires. Bah, comment ça, CRS, t'as tout ? Encore une fois, hygiène, éducation. Eau polluée encore. Oh. L'eau est beaucoup trop polluée à Londres, c'est pas possible. Donc oui, là, amphithéâtre qu'il faudrait. Continuer à s'évoluer, à s'exporter, j'allais dire. Oui, à s'exporter, à s'étendre par là. I'm your Venus. Ah oui, au fait. On va stocker quand même les... la poterie. Après, faudra les meubles, ça. En fait, je pense que si, on aura assez de bouffe. Hein. Si là, on fait tout là. Là, je m'arrête. En fait, je m'arrête, je pense, jusqu'ici. En termes des... de quartier résidentiel, et après on continue, on s'étendra de ce côté là, ce qui fait qu'ici on garde toute la bouffe jusque là, et même au pire bah on pourra utiliser ce qu'il y a ici quoi.
Là encore, tout ce qui est là n'est pas rempli en fait. Il y a un truc que j'ai pas fait. Mettre un forum. Ils sont où? Là? On a assez pour... On ne stocke plus. Mercure, il est pas content. Je vais avoir dilapidé tout mon argent dans cette campagne, dis donc. J'ai envoyé un petit cadeau quand même à César. Il sera un petit peu content comme ça. Qu'on peut... Non. Ah, j'ai vraiment bloqué, en fait. J'ai vraiment bloqué le chemin, en fait. Qui on pourrait mettre? Mars. On a déjà un Mars qui est pas loin. On va mettre Vénus. Neptune, pour l'instant, on n'a pas vraiment besoin. Quoi. Mais après, je me dis, si je fais deux forts avec que de la cavalerie ou cavalerie javeline, théoriquement, ça devrait être bon. Hein. On n'a peut-être pas besoin d'armes. Si on fait vraiment que de la défense pure, quoi. Ok.
beaucoup. On va les stocker. On a du chômage, donc ça va. C'est quoi le problème? Pas accès à des termes. C'est vrai que les termes sont peut-être trop loin. On va en faire là des termes. J'ai laissé le... Oui, c'est vrai, je suis con. Vu qu'on a du chômage, forcément le militaire fonctionne. Ok, alors, la bouffe c'est bien. Ah, ça a cramé ça. Manque de main d'œuvre. Ah, d'un seul coup. Plus de population comme ça. Là vraiment, ouais, ce qu'il faut c'est soit les meubles, soit l'accès à un amphithéâtre. Mais là pour l'instant ici c'est les meubles. On a encore beaucoup de... De main d'œuvre, bon, ça va. Est-ce que les meubles, ouais, le truc c'est que ça, là, ça me sert pour vendre. Bon, on a pas des masses. Voilà. Et voilà. Ok. Ouais, il nous manquait un peu de main-d'œuvre en militaire. Bon, ça va. Pouette. Ennemi aux portes, oui.
Alors c'est vrai que du coup, j'ai mis exporter à partir de 0, on va mettre exporter à partir de 10 unités de bois. Et hop, je n'ai plus d'économie. C'est quoi le problème? Ah oui, c'est... Ah non, pourtant loisir c'est bon. Seul coup, on ne peut plus se divertir correctement dans la cité sans aucune raison. Cette cité est en train de dépérir par manque de main-d'œuvre. Oh, ça, c'est bon, ça va. La main-d'œuvre, on en fait tout un foin, mais. Regardez la France. Porte bien sans main-d'œuvre. Bah alors. Cette place. Pas cette place, non. Pas de fontaine. Ah, fontaine là. Bien. On va attendre que les gens arrivent. Ah, mais là, ça s'est effondré aussi. Oh. Oh, c'est plutôt grave là-bas, donc ça va. C'est plus trop grave. C'est toujours quand il y a le courroux de Mars que, qu'on se fait attaquer. Musique hyper guillette alors que c'est la merde quoi. C'est possible qu'on ait du mal là. Surtout si eux ils viennent. C'est bon, ça c'est à vous. Ouais, du coup, je veux pas bouger. Vous pouvez tirer hein, si vous voulez. Merci. On a que duc tout de suite hein. C'est marrant parce qu'ils détruisent le temple de Mars quoi.
Alors. Corps de garde. Vu que tout le monde se barre, je peux pas le faire. C'est bon, je peux construire mes trucs. Ah, je vais faire un peu par contre avant. Voilà. Parce que le militaire n'en a plus trop besoin. Un potager, si des employés, c'est la même chose que pour eux. Ouais. Poète, poète. Approche ennemie. Ah. C'est quoi le problème ici? Possible de se divertir mais pas suffisamment. Ah, c'est qu'il n'y a pas de deuxième temple. Deuxième théâtre. Voilà. Boing 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 boing. Pouet, 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 pouet. Mais non. Possible de s'y divertir mais pas suffisant. Ouais, faudrait un amphithéâtre quelque part. Mais alors là où? C'est une grande question. Là en fait. 100 balles. Ça aurait été cool que ma tour tire en fait. Mais bon. Croire qu'elle a pas vraiment envie.
C'est... Elle a pas très envie de tirer. Voilà, là maintenant... Oh tiens! Maintenant que ça ne sert plus à rien. Oui, bah oui, on va bien t'y voir. Bah du coup, si... Oh là là. Mais non. Honnêtement, c'est parce que vous êtes là parce que j'aurais déjà rage quit. Hein. Allez, c'est reparti. Merde, c'était quoi là? Ah, le sang. C'est un temple, je crois. Non, c'était pas Vénus. Oui, bah, tu vas bien te faire cuire le cul, hein, déjà. Oh, mais non, mais putain, casse-toi. Oh, maintenant faut attendre que les gens reviennent.
Oh bah allez, va te faire foutre. Allez, on recommence bien longtemps. Mais non, là c'est bon. On va arrêter les conneries. Bien avancé, mais du coup là c'était pas possible quoi. Donc du coup on va enlever ça, parce qu'en fait, ça ne sert à rien. C'est la première fois que j'ai été rapide pour viser au fond. Et du coup, ça fait... On a, je pense, une bonne demi-heure de stream dans le vent. Allez, c'est bon, il est parti, le mec. Ah non, il est là. Thank you.
Mais pute. Allez. Alors. Ah oui, du coup, c'est très con que j'ai mis là. Je vais le mettre un petit peu plus bas. Non! J'en ai marre. Mais le coup de Cérès, mais... Oh. Ah, j'ai plus d'argent. Ça se fait que j'ai encore eu... Mais oh là là, j'ai laissé le militaire à fond. Évidemment que ça marche moins bien. Allez. Comme il faut, on va attendre que les gens arrivent. Je vérifie quand même. Là, ça sera quand on va refaire donc de l'argile. Thank you.
remettre du militaire alors. Pour pouvoir au moins avoir une bonne légion. Oui, d'accord, c'est tout là, ok. École ou tout ça, ok. École. Ah oui, là c'était un terme avant que t'es ici. Oh super, oh, bah. Hop, je suis très concentré là pour qu'on revienne parce que ouais, on en était parce que oh. C'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de préfectures. D'études d'ingénieur. Non. On aurait vraiment dû s'installer là, en fait. Hein. On aurait vraiment dû s'installer ici. Protéger un maximum. Et puis aller chercher la bouffe là. Sachant qu'ils attaquent d'ici. En attendant, je vais peut-être remettre le militaire à 9. Parce que ça y est, on a notre truc qui est à fond, donc du coup on en a pas besoin. Autant que ça serve pour autre chose, sachant qu'on est en bordel partout. Colère des dieux. Oui, bon bah allez vous faire un bon. Mais il y a déjà une école ici en fait. Pourquoi il m'a fait construire une école? C'est une bibliothèque au pire qu'il faudrait.
Il n'y a pas assez d'études d'ingénieur, quoi. Ok, on a atteint nos 1000 citoyens. J'ai bien mis en stockage, hein. Je suis pas fou. Hein. Ah mais on n'avait pas acheté la route de commerce. Cherche après mon argent, merci. Allez hop. All-in. On n'avait pas fait la route de commerce. Qu'il y ait quand même un petit peu plus de gens, ce serait cool, mais bon. Ah, mais j'ai toujours pas mis mes forums, moi. Ah oui, espace disponible pour 47. Maintenant que les gens y viennent. Hein. On en est où? 7 dans l'entrepôt. On va envoyer le truc à César et je pense qu'on va arrêter là pour ce soir. On va attendre que les potes qui se fassent. Évidemment en prévision du champ des pas des chantiers de bois non de fabrique de meubles. Je peux lui envoyer? Ah très bien. Hop, ça c'est envoyé.
c'est sauvegardé. Et on continuera du coup la semaine prochaine. Ce qui est cool, c'est qu'on a au moins rempli notre objectif de ce soir, c'est-à-dire terminer la mission 9. On l'a fait en terminant une demi-heure. Et depuis, du coup, on essaie de faire cette mission 10, qui est assez assez difficile, mais en même temps, c'est assez difficile de démarrer dans Kaézar, toujours, hein, démarrer une nouvelle ville. C'est toujours ce qui est le plus chiant. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se dit à la semaine prochaine, mercredi prochain, 21h sans doute, si il y a un stream avec Néo. S'il n'y a pas de stream avec Néo, et ben on fera sans doute quelque chose à 20h30, peut-être du Kaézar 3 ou autre chose. Et jeudi prochain, on commence donc notre RPG sur Super Nintendo. D'abord dans les 2 heures de rétro avec Metro, et après ça sera comme pour Hidden Dangerous, un let's play complet de ce jeu-là. On se dit à la semaine prochaine, portez-vous bien. Sur YouTube, évidemment, je le dis très rarement, mais n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ou de commenter si ça vous plaît. Passez une bonne journée ou une bonne soirée, c'est dépendant quand est-ce que vous regardez cette VOD. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!